Tu veux le toucher pour voir s'il est froid? Tu veux le voir mort? Ah! Tu t'imagines le cadavre du pauvre Ignacio dans une caisse? Il est encore vivant. Tu veux que je le tue, Margarita? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez fait? Calme-toi! Calme-toi, calme-toi. Il est juste endormi. Je l'ai endormi avec une dose de barbiturique que je lui ai donnée. Tu vois ce que tu provoques? C'est vous qui avez fait ça, pas moi! Évidemment que oui, je l'ai fait! Là, tu as ton docteur étendu sur le lit comme un mort, par ta faute! Si jamais tu empêches mon mariage d'avoir lieu, je le tue pour de vrai! Quel genre d'affaire est ton mariage? Celle d'être la maîtresse de cette maison, celle de porter un nom convenable! Ou tu crois que je suis une traînée comme toi qui reste une mère célibataire? N'attaquez pas mon enfant! C'est toi qui m'as attaquée! Et maintenant tu me demandes d'avoir pitié alors que par ta faute, Ignacio m'a dit qu'il ne m'aimait pas! Tu vois cet homme? C'est cet homme qui va m'emmener devant l'autel! Il ne sera jamais à toi! Jamais à toi! Même pas en rêve! Je vais le tuer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas oser me frapper? Je ne me transformerai pas pour devenir comme vous! Vous n'avez pas de cœur! J'ai une intelligence et j'ai de l'ambition! Vous n'aimez pas Ignacio! Et ça, qu'est-ce que ça peut te faire? Si tu ouvres la bouche, Margarita, c'est toi qui seras chargée de tenir les poignées du cercueil jusqu'au cimetière! On devrait vous interner, vous êtes folle! Oh, mon pauvre amour! Mon pauvre petit amour! Oh, regarde comme il dort! J'espère que je ne lui ai pas administré une dose de barbiturique trop forte. Qu'est-ce que tu vas faire s'il ne se réveille pas de son long sommeil, Margarita? Parce que je vais le tuer. Je te jure que je vais le tuer. Vous n'en seriez pas capable. On vous mettrait en prison. Tu crois que ça me fait quelque chose d'aller en prison? Évidemment que oui, j'irai en prison. Mais avec Ignacio bien mort. Rien ne m'importe plus. Si tu n'arrêtes pas de te mêler de mes affaires, je te le jure, je le tue, Margarita. J'essaye de ne pas m'en mêler, mais c'est que... Mais rien! Mais rien du tout! Ou tu t'éloignes de lui! Ou je le tue. Tu peux bien essayer de le défendre, même avec une armée. Si tu ne t'éloignes pas de lui, je vais tenir ma promesse. Et crois-moi, je tiens toujours mes promesses. Et je te jure, je vais le tuer. Ne le tuez pas, s'il vous plaît. Je ferai ce que vous voulez, je vous en conjure. Ne le tuez pas, ne le tuez pas, je vous le demande. Me laisserez-vous m'occuper de vous cette nuit? Ou allez-vous continuer à tourner en rond sans me répondre? Je vais être très direct, Lucrezia. Et j'espère que vous me pardonnerez. Vous pardonnez? Mais de quoi? De ma franchise. Je ne pourrai vous accompagner dans aucune chambre. Je vous l'ai déjà dit, vous êtes la grand-mère de mes filles. Et je ne peux vous considérer autrement que comme la grand-mère de mes filles. Mais de quoi avez-vous peur? Mais ce n'est pas de la peur, Lucrezia. C'est du respect. Ne me respectez pas, Francisco. Je vous en prie, pour une fois, ne me respectez pas. Chantal a bien raison. Vous êtes malade. Vous feriez bien mieux d'aller voir un médecin. Ou de vous faire interner. Que ferez-vous? Vous direz au médecin qu'il faut m'interner, parce que je suis amoureuse de vous. Écoutez, s'il vous plaît, ne dites pas de telles choses. C'est une maladie. C'est horrible qu'une belle-mère soit amoureuse de son gendre. Non. Vous savez ce qui est horrible. Ce qui est impardonnable aux yeux de notre Dieu. Ce n'est pas l'amour. Même si c'est un amour malsain comme vous dites. Vous savez, ce que Dieu ne peut pardonner, c'est tuer. Car tuer est un péché mortel. Et vous avez tué Francisco.
Ça, c'est une horreur. Aux yeux de Dieu. Juan, Juanito. Voyons, ne t'inquiète pas trop pour ça. L'histoire de Rosita n'était qu'un jeu de gamin. Écoute, sors la chercher. Mais oui, monsieur Pedro, mais... Chaque jour, je me sens encore plus à l'abandon. Maintenant, même ma fille m'abandonne et me refuse le droit de voir mon petit-fils, de voir le petit Juan qui grandit dans son ventre. Non, 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 Juanito, tu te trompes, regarde. Rosita ne t'a pas abandonné et ne t'a pas non plus refusé le droit de voir ton petit-fils. Ah non? Et alors pourquoi elle n'a pas mis dans sa lettre « Cher papa, tu me trouveras à telle adresse, ou bien je suis allé vivre avec quelqu'un, ou alors encore je suis à la capitale. » Écoute, Juan, je ne suis pas Rosita. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Rosita. Et toi non plus, tu ne sais pas ce que pense Rosita. Tu veux avoir des réponses? Va les chercher toi-même. Mais où, monsieur Pedro? Juan, c'est toi qui es le père de Rosita. Tu dois aller la chercher. Là où ton cœur te dira d'aller, Juan. Merci, monsieur Pedro. Oh mon Dieu, j'ai très mal au cœur. Evangelina, me laisse pas mourir de faim avec ce régime que m'a donné Ignacio. J'ai besoin de manger quelque chose. Si je... Bien. Je pense que... Un peu de poisson ne tue pas. Et je t'avertis que si tu racontes un seul mot de ce qu'on a dit à Ignacio, la prochaine fois, ce ne sera pas une dose pour dormir. Non, je vous en prie, ne le faites pas. Ni toi, ni personne ne pourra le protéger 24 heures sur 24. Tu es la seule qui puisse le sauver. Éloigne-toi de lui. Tu représentes la mort pour lui. Ne t'inquiète pas. Il se réveillera dans un petit moment. Laissez-moi tranquille! Que ça ne te vienne pas à l'idée d'appeler la police. Je n'irai pas en prison parce que mon fiancé s'est endormi. Tu es vraiment la seule qui puisse le sauver. Éloigne-toi de lui, ou je le tue. Ou mieux, je le tue lui, et je tue ton fils. Vous êtes folle! Complètement folle. Je suis très prudente et froide. C'est pour ça que je suis dangereuse. Et souviens-toi que moi, je tiens toujours toutes mes promesses. Les deux, Margarita. Je les tue tous les deux. Je disparaîtrai de votre vie, mais ne le faites pas. Je disparaîtrai de votre vie. Très bien. Tu viens de sauver Ignacio ainsi que ton fils. Ne leur faites pas de mal. Ne leur faites pas de mal. Je vais toujours m'occuper d'Ignacio. Je te le promets. Et je tiens toujours ce que je promets. Frigiolito. Ne soyez pas gêné, Francisco. Nous sommes tous des pêcheurs. Bon, Francisco, il est évident que tout le monde n'irait pas tuer des gens de la sorte, car ça, c'est une chose grave. Mais oui, nous commettons tous des péchés mineurs. Ça suffit!
Ça suffit, Lucretia! Pourquoi vous acharnez-vous à me torturer? Ce n'est pas moi. C'est votre conscience. Croyez-vous que vous n'allez pas payer pour ça? Mais je le regrette. Vous ne pouvez pas imaginer combien je le regrette. Vous l'avez fait par amour. Et l'amour justifie tout. Quel dommage. Cet amour était une erreur. Je vais me marier avec Margarita. Non, vous ne le ferez pas. Car je vais vous aider à ouvrir les yeux. Vous avez déjà tué Francisco. Mais je n'avais pas réfléchi, Lucretia. J'étais tellement furieux. Les profonds excès de colère nous font commettre bien des erreurs. Comment me trouvez-vous? Emportée ou patiente? Je vous ai invité. Vous m'avez répondu par une insulte. Vous m'avez traité de folle. Me suis-je emportée? Non. Et je suis là à vous parler. Et à essayer de soigner vos blessures. La patience est une grande vertu. Oui, et j'apprécie beaucoup votre silence. Vous ne m'avez pas dénoncé? Bien sûr que non. C'est par amour que je l'ai fait. Là, vous comprenez. C'est par amour que je n'ai rien dit. C'est par amour que je suis patiente. Par amour que je souris à l'ennemi. Vous savez qui est mon ennemi? La domestique. Ne l'appelez pas comme ça, Lucretia! Elle sera toujours une servante, même si elle se marie avec vous. Vous irez devant l'hôtel, Francisco, si vous voulez. Mais moi, je vais occuper une autre place dans votre vie. Et ça, je vous le promets. Je te chante une berceuse. Toi, je ne t'en ai jamais chanté parce que je ne savais même pas que tu étais ma fille. Mais si tu veux bien me le permettre, nous pouvons faire d'une pierre deux coups. Je te chante à toi une berceuse et au passage au petit Juan. À la roronene. A la rorro ya, duérmase mi niño, duérmaseme ya. Este niño hermoso que nació de día, quiere que lo lleven a comer sandía. Papá. Dis-moi, ma fille. Tu pourrais me la chanter une deuxième fois? Bien sûr que oui. C'est pour ça que je suis née. Pour vous servir. À la roro, néné, à la roro, ya. Chère Olga, je me permets de vous laisser ce message avec l'espoir que cet homme ne le trouve pas. Je ne crois pas que vous voulez rester avec lui. Je vous laisse mon numéro de téléphone. Appelez-moi. Olga! Olguita! Olga! Qu'est-ce que tu veux? Apporte-moi une serviette, s'il te plaît. Attrape-la toi-même. Tu n'as pas de main? Allons-y, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Une petite pièce pour le chanteur. Une petite pièce pour le chanteur. Pourquoi est-ce que tu t'es assis, Tonio? Parce que moi aussi je veux chanter, tu ne me laisses pas faire. Mais si, je veux bien te laisser, moi, mais toi tu ne peux pas chanter, parce que c'est à toi de demander l'argent. Et pourquoi toi tu ne demandes pas de l'argent et puis moi je chante? Parce que c'est moi qui suis le chanteur, idiot. Oh, j'abandonne. Écoute.
qu'est-ce que tu en penses si je dis à Dulce de nous aider? Elle chante, Dulce? Mais non, écoute, moi je chante et toi aussi tu chantes et alors elle demande l'argent. Et elle s'habille en chanteuse comme ta maman Chou alors? Tonio n'appelle pas ma maman Maman Chou parce que tu sais, c'est ma maman. Toi t'as qu'à t'en chercher une autre. Mais moi je n'ai pas de maman. Ma maman elle est partie de la maison quand j'étais tout petit. Je sais, pardonne-moi Tonio. Ne sois pas triste s'il te plaît. Qu'est-ce que tu penses si je te prête ma maman Chou un petit moment? Mais après tu me la rends, d'accord? Oui, oui, oui. Alors oui, je veux bien te prêter ma petite maman Chou. Tu es un grand ami, Frijolito. Oui, c'est sûr, ami pour toujours. Ouais. Mon amour, mon amour, s'il te plaît, réveille-toi. Réveille-toi, mon amour. Quoi? S'il te quoi, plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu viens de t'évanouir. Tu ne t'en souviens pas? Je me suis évanouie? Oui, je crois que oui. Je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Oh, mon amour, tu m'as fait si peur. Je comprends pas. Comment je me suis évanouie? Pourquoi je me suis évanouie? Je me sentais bien. Quand tu es entrée dans la chambre, tu étais pâle. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ne te mets pas debout. Allons, couche-toi. Pourquoi est-ce que tu me fuis? Je ne te fuis pas, Chantal. Alors dans ce cas, reste couché. Laisse-moi te soigner. S'il te plaît. Laisse-moi te soigner. Je le tue, lui. Et je tue ton fils. Qu'est-ce que vous avez? J'en ai assez. J'en ai assez de vous et de votre fille. Et Francisco va savoir tout de suite ce qui est en train de se passer dans cette maison. Attendez! Pourquoi étiez-vous en train de pleurer quand je suis entrée? Parce que votre fille est folle, comme sa maman. Et si vous voulez continuer à me menacer, vous perdez votre temps. Mais je ne veux pas vous menacer. Je veux que vous partiez de cette maison. Vous réussissez à plonger les gens dans la boue et dans l'enfer. Vous poursuivez le père de vos petites filles et vous me dites que je plonge les gens dans un enfer? Si vous en avez assez, comme vous dites, pourquoi ne partez-vous pas de cette maison? Ça m'est égal que vous vous mariez avec Ignacio ou que vous partiez de la maison. Mais éloignez-vous de Francisco. Et si je m'en vais? Vous et votre fille, vous allez me laisser en paix? Je vous le promets. Éloignez-vous pour toujours de cette maison. Et vous n'entendrez plus jamais parler de nous. Moi, je voulais un père pour mon fils. Et aussi, j'aimais l'homme de ma vie. Francisco n'est pas l'homme de votre vie. Non. Être ici n'est pas non plus le rêve pour mon fils. Moi, j'aime mon fils. Je veux être avec lui, je veux être tranquille. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je veux vivre sans menace. Et ça, je sais que je vais devoir le trouver, loin de cette maison. Très loin. Je n'ai pas eu le courage de partir de la ville. Et j'ai bien réfléchi. J'ai réalisé que tu ne serais pas présent à la naissance de mon bébé. Et que je serais seule. Et à la rue. Bon, ma fille. Tous nous sommes parfois désespérés. Toi, tu es une gamine. En plus, qu'est-ce que tu gagnais à t'en aller? Mais papa, je ne suis plus une gamine. Mais une jeune femme qui va avoir un bébé. Et au même âge que Margarita. C'est ce que je me demande. Pourquoi tu es partie? Parce que je ne veux plus que tes mots me poursuivent. Mais c'est le père de l'enfant, je ne peux pas l'en empêcher. Tu veux que je m'occupe de lui? Non, papa. Il est temps que j'apprenne à régler mes comptes toute seule. Tu sais quoi? Je ne veux plus jamais avoir peur de tes mots. Écoute, Rosita. Laisse-moi régler l'affaire avec ce garçon. Non, vraiment. Papa, ne t'en mêle pas. Écoute, tu me pardonnes d'être partie? Bien sûr que je te pardonne. Si toi, tu m'as pardonné toutes ces années où nous n'étions pas ensemble, c'est sûr que je te pardonne, je t'en prie. Franchement, ma fille. Ah, Rosita!
Quoi, tu veux me donner un autre infarctus? Comment ça, tu t'en vas de la maison? Regarde, j'ai trouvé cette lettre. Evangelina, pardonnez-moi. J'ai été idiote. Finalement, je ne pars plus de la ville. Je reste ici. Papa? Dis-moi, ma fille. Écoute, si je travaille avec l'argent qu'on va économiser, on pourra peut-être louer une maison et on pourra y vivre ensemble. Toi, mon bébé et moi. Ah, ma fille, mais ce sont des folies, ça. Non, 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 tu n'as pas idée de ce que coûte la location d'une maison, de quelque chose de petit. Non, non, ça coûte cher. En plus, il faut travailler très dur. Et moi, sincèrement, je ne peux pas travailler. Je suis fâché avec le travail parce que je suis un être sensible, un artiste. Ce serait trahir ma vocation. Mais quelle vocation? Ma vocation d'artiste? Mais malheureusement, pour vous, être artiste, c'est synonyme de fainéantise. Oh, quel plaisir! Oh, mon amour, mon amour! Je déteste quand la petite Daniela ne fait pas attention à ce qu'elle fait. David, qu'est-ce qu'elle a fait, Daniela? Elle a jeté un chewing-gum par terre et l'a écrasé. Ce n'est pas la première fois. Bon, ça va. C'est qu'une petite bêtise d'enfant. Toi, quand tu étais enfant, bien sûr, tu n'as jamais écrasé de chewing-gum. Je n'ai jamais été un enfant, monsieur. Je suis né majordome. On sert quelque chose au docteur? Oui. Est-ce que tu sais où est Margarita? Elle est sortie il y a un moment avec Adela. On vous sert quelque chose de la cuisine. Je peux m'en charger? Non, il n'y a pas besoin. Mais si. Tu sais faire des gâteaux? Oui, je suis spécialiste. Ah. Vous les aimez décorés ou sans décoration? Une seule saveur, plusieurs saveurs? Non. Mais décorés, oui. Est-ce que tu peux les faire très vite? Si je commence tout de suite, dans un moment, vous l'aurez sur la table de la cuisine. C'est parfait. J'aimerais un grand gâteau avec beaucoup de crème et avec un cœur au milieu où il y aurait écrit « Nacho M. Margarita ». Excusez-moi, mais je ne peux pas. Hein? Et si Monsieur Francisco voit ce gâteau qui dit « Nacho M. Margarita » et qu'il apprend que c'est moi, il me renvoie. Si tu ne le fais pas, c'est moi qui te renvoie. Donc c'est pareil. Et ne t'inquiète pas, Francisco n'entre jamais dans la cuisine. Et s'il y a Mademoiselle Chantal, qu'est-ce que je fais? Tu la tues et tu mets son cadavre dans le réfrigérateur. Monsieur, je pensais que Margarita, c'est très très long à écrire sur un gâteau. Ça me paraît plutôt mieux de mettre... Non, 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 tu mets Margarita. Margarita. Mais est-ce que tu as une robe de chanteuse, Dulce? Oui, elle est offerte par mon papa. Et est-ce que tu voudrais bien chanter avec nous et puis aussi avec Alfredo dans la rue? Comme elle chante, Margarita? Non, non, comme tu chantes toi. Bah oui, je sais chanter. Est-ce que tu peux nous faire écouter, Dulce? Oui. Luna, tu que la veste viaja. Toi, il vaut mieux que tu passes la corbeille et que tu t'occupes de l'argent. C'est d'accord. Ah, les enfants, c'est vraiment bien que Rosita soit revenue à la maison. Heureusement qu'elle était près d'ici. Ah, je l'ai trouvée sur une place là, tout près, seule. Je lui ai dit à ta fille qu'elle reste. Monsieur Pedro, vous n'êtes pas en train de manger du chocolat, hein? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'il ne doit pas manger de chocolat à cause de son diabète. Madame Evangelina va venir et elle va se fâcher, monsieur Pedro. Non, non, non. Qu'est-ce que tu as dit à Rosita? Si tu lui as dit quelque chose, c'est que tu savais. Oui, oui, je lui ai dit à Rosita de rester et... Quand j'ai su qu'elle allait partir, j'ai parlé avec elle. Ah! Tu peux parler à une gamine, mais tu ne peux pas me parler à moi pour me raconter ce qui se passe. Bon, Rosita m'a demandé que je reste... Je m'en fiche comme de l'an 40 de ce qu'elle t'a demandé. Tu es mon camarade, oui ou non? Et pourquoi nous sommes camarades? Pour nous protéger des mauvais coups, non? Oui, pardon, Juan, tu as raison, mais je... Non, tu ne m'adresses plus jamais la parole. Tu m'as trahi et les amis, on ne les trahit pas. Ah, avec ces billets, je me sens plus libérée. Je sais que ça va être très dur. Mais je dois en finir avec cette folie une fois pour toutes, Adela. Je m'en vais de Ciudad Esperanza pour toujours. Qu'est-ce que tu vas dire au docteur? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais essayer de l'éviter. Si mentir encore est nécessaire, je le ferai. Mais j'espère que je pourrai partir sans le voir. Et comment tu penses annoncer ça à Monsieur Francisco? Tu vas lui donner une lettre que je vais te laisser dans la cuisine. D'accord. Oh, mon ami.
Il y a quelque chose que je peux faire pour que tu changes d'avis? Non, Adela, tu ne peux rien faire. J'ai déjà pris la décision de partir avec mon fils. Fais attention à ma mère, hein. Je ne vais rien lui dire cette nuit parce que tu sais qu'elle est déjà mal. Oui, mais franchement, ne lui laisse pas une lettre. Téléphone-lui, c'est mieux. Oui, je vais l'appeler avant de monter dans le bus. Allons vite à la maison avant que David ne commence avec toutes ses questions. Tu me promets que tu vas t'occuper de maman? Oui. Ah, mais toi, tu me promets de faire attention à toi, hein. Cette enveloppe est à toi? Donc, l'imbécile qui t'a défendu te donne son numéro de téléphone pour que tu l'appelles. Mon amour, tu me permets de garder cette lettre, hein? Lucho, je n'ai vraiment rien fait. Non, je sais, ma chérie, que tu n'as rien fait. Jusqu'à maintenant, tu n'as rien fait. Mais tu sais quoi? Tu sais quoi? Je vais t'aider à ne pas succomber à la tentation d'appeler. Donc... Tu continues avec ton travail. Si demain on te demande pour moi, tu ne sais rien, d'accord? Et ce gâteau? J'ai demandé à David qu'il le fasse. Adela, tu me permets de rester seule avec Margarita? Bon, Margarita, hier soir, quand j'étais chez toi, tu te souviens, il y avait aussi Frijolito. Et j'ai senti que nous étions une vraie famille. Et quand je l'ai emmené à l'école, j'ai senti que je pouvais être son papa. Ignacio... Non, s'il te plaît, attends. Regarde ce gâteau. Ce gâteau est pour toi. Et pour moi. Et pour que tu dises à Francisco que tu veux annuler le mariage. Mais sur ce gâteau, vous dites Nacho aime Margarita. Et j'ai dit la vérité. Ça te gêne? Je ne veux pas que Francisco le voie. Ni Mademoiselle Chantal, ni la mère de votre fiancée. Mais ce n'est plus ma fiancée. Et tu le sais bien. Tu sais bien que je lui ai dit que je ne l'aimais pas. Pourquoi tu t'éloignes de moi? Ah, tu es ici? Et c'est quoi ce gâteau? Ce gâteau... ce gâteau, c'est pour que Monsieur Ignacio arrête de m'embêter. Quoi? Non mais attends, pourquoi tu rigoles? Margarita me jette un gâteau à la figure, elle part sans me donner d'explication, et toi ça te fait rire? Tu ne trouves pas ça drôle que ta belle-sœur te jette un gâteau à la figure? Eh bien, moi si, Ignacio. Ça t'amuse. Tu sais pourquoi elle l'a fait? Si tu meurs d'envie de me le raconter, dis-le-moi. Parce que sur le gâteau, j'avais fait écrire une phrase qu'elle ne voulait pas que tu vois. Quelle phrase? Nacho aime Margarita. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne ris plus? Pourquoi tu t'acharnes à me provoquer, Ignacio? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me manques de respect? Non, je ne suis pas en train de te manquer de respect. Tu sais bien que Margarita ne t'aime pas. Et tu ne vas pas te marier avec elle. Rappelle-toi bien de ce que je t'ai dit. Ça suffit, ces plaisanteries. Ce n'est pas du tout une plaisanterie. Elle te fuit. Et elle me fuit. Et au train où nous allons, ni toi ni moi n'allons nous marier avec elle. Je t'interdis de parler de Margarita. Ou de la regarder. Et même, je veux que tu la laisses en paix. Est-ce que tu m'entends? Ne me touche plus, tu entends? J'aime Margarita. Et j'ai dit à Chantal que je ne l'aimais pas. Puis...
Écoute, papa, Vicente ne t'a vraiment rien fait. Tu peux te fâcher contre moi, mais contre lui, non. Je lui avais demandé de garder le secret. Vous pouvez demander à ce monsieur ce que vous voulez. Mais ce monsieur était mon ami, mon camarade, et il ne me l'a pas dit. Tu sais pourquoi j'ai gardé le secret, Juan? Tu veux que je le dise devant Rosita, hein? C'est ça que tu veux, hein? Dire quoi? Écoutez, monsieur. N'excitez pas le lion qui est sorti de sa cage. Je t'aime. Quoi, tu m'aimes? Oui. Je t'aime. Oui, mais il t'aime comme un ami. Comme je l'aimais moi quand nous étions tous les deux de vrais amis. Non, papa. Vicente est en train de me dire... qu'il m'aime. Margarita sera ma femme. Et ce que tu me dis m'est bien égal, Ignacio. Qu'est-ce que tu crois? Que je ne vois pas ton jeu? Quel jeu? Nous séparer. Si je te crois, je vais demander une explication à Margarita... Je discute et on se sépare. C'est bien ça que tu veux. Je ne suis pas en train de jouer, Francisco. J'ai été avec Margarita à la discothèque et je l'ai embrassée. Et tu sais pourquoi? Parce que je l'ai connue bien avant qu'elle vienne travailler dans cette maison. Pas possible. Si, puisque je te le dis. Il y a plusieurs années de cela, quand elle était avec moi, et elle t'a fui parce que tu l'ennuyais. Oui, car maintenant elle me fuyait. Arrête donc de mentir, Ignacio. Appelle-la et demande-lui. Non, ce ne sera pas nécessaire. Parce que je crois tout ce que me dit Margarita. Et toi, je ne te crois pas. Si tu veux inventer que tu l'as embrassée, eh bien très bien, invente-le. Tu es aveugle. Margarita ne va jamais t'épouser. Et moi, je ne me sens pas coupable. Si jamais ton mariage est annulé, ce sera de ta faute. Allô? Tu n'imagines pas combien tu me manques. Alors je suis revenu en ville. Cette histoire de jouer aux morts est assez embêtante. Tu veux que Francisco te rencontre et découvre toute la vérité? Ton beau-frère n'a pas l'habitude de sortir le soir. Et en plus... je sais très bien faire attention. Et il doit être inquiet à cause de la lettre anonyme. Pourquoi es-tu revenu? Pour en finir avec les détails du meurtre de ton fiancé. Il te faudra attendre. Le mariage est en danger. Il t'a laissé pour Margarita? Pas encore, non? Tu crois que je vais laisser échapper cette affaire par la faute d'une domestique? Toi, séduis-le et marie-toi. Et après, on le tue. Si ça échoue, Chantal, je m'occuperai de toi pour m'avoir fait perdre tout cet argent. Tu me menaces, là, Gregorio? Oui. En effet, je te menace. Je veux tout ce qui appartient au docteur. Et ce, dès sa mort. Et ça te concerne aussi. Ou tu tiens parole, ou bien tu meurs à sa place. Mais tu as bien dit que tu m'aimais. Et ça ne se dit pas à une amie, n'est-ce pas? Parce que si on est amis, c'est naturel que l'on s'aime. Oublie ce que j'ai dit, oublie-le. Non, ne t'en va pas. Je suis là. Écoute, j'ai dit que je t'aime et c'est vrai. Mais j'aimais aussi Margarita. Tu n'aurais pas dû dire ça. Oh, pardon, pardon, pardon. Excusez-moi, mais il se trouve que là, mon ex-camarade a une nouvelle maladie qui s'appelle ou gourmand ou consanguin ou le syndrome des sœurs. C'est une maladie nouvelle que les Japonais ont découverte. Rosita, j'ai aimé Margarita. Et maintenant, je t'aime toi. Ce que je veux dire... ce n'est pas le « je t'aime » que tu t'imagines. Vicente, je n'imagine rien. Tu l'as dit et je t'ai écouté. Ce que mon ex-camarade veut dire là, c'est que son cœur est très faible. Voilà, oui, voilà, c'est ça. J'ai un cœur faible, fragile. Je tombe amoureux de toutes les femmes, même de toi. Pourquoi tu ne pourrais pas être amoureux de moi? Tu me trouves laide. C'est ça! Tu me trouves laide! Non, 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 ma reine, il n'a jamais voulu dire ça. Je crois que là, vous ne vous êtes pas compris tous les deux. Et moi si, j'ai compris! Jamais je ne te pardonnerai de m'avoir dit que je suis moche! Et pour ta rééducation, ça, tu peux l'oublier. Camarade, tout est fichu. Maintenant, oui, tu vas me pardonner de ne pas avoir dit le secret?
Comment ça, te pardonner? Pas fou. Moi, un traître, je ne lui pardonne même pas dans 100 000 ans. Et je te préviens d'une chose. Ne flirte pas avec Rosita. Tu attaques un berceau. Arrête donc de mentir, Ignacio. Appelle-la et demande-lui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas eu le courage? Si tu ne me crois pas, alors pourquoi tu l'as appelé? Toi, tu restes à la maison et tu ne sors pas d'ici. Mais après, je vais revenir te chercher. Et tu ne dis pas à ta grand-mère que je vais venir te chercher, hein? D'accord? Est-ce que c'est un secret? Oui, mon cœur, c'est un secret. Et alors, je ne peux pas non plus aller chanter dans la rue avec mes amis Tonio et Dulce? Non, mon chéri. Toi, tu restes avec Alfredo. Et je vais revenir pour toi. D'accord, je te le promets, maman. Ma petite maman? Quoi, mon amour? Pourquoi est-ce que tu es triste? Parfois, les choses ne se passent pas comme on voudrait. Et... écoute, dépêche-toi. Va avec Alfredo. Et moi, je reviens plus tard. Ça te va comme ça? Oui. Au revoir. J'espère que tu ne bougeras pas d'ici. Là, tu ne peux plus appeler cet idiot, pas vrai? Mais je ne partirai pas d'ici. Même si tu le voulais, tu ne pourrais pas. Parce que tu vas me l'interdire? Non, je ne peux rien t'interdire, mon amour. Ça te dérange si je t'emprunte ton trousseau de clés? Non, ça ne me dérange pas. Quoi, tu vas m'enfermer? Tu vas m'abandonner? Ne m'abandonne pas, ma chérie. Ne m'abandonne pas, mon amour. Ne m'abandonne pas. Espèce d'imbécile. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul double des clés? Évidemment, sale brute, que je vais bientôt t'abandonner. Et à jamais. Tu es très, très, très jolie, Dulce. Maintenant, je suis une chanteuse populaire comme la belle Margarita. Ma chérie, tu sais que je t'aime beaucoup, pas vrai? Oui, et moi aussi, je t'aime beaucoup, mais beaucoup, beaucoup. Va jouer, allez. Une bien jolie petite fille. Tout comme sa future maman. Ça va, Margarita? J'ai appris que tu avais jeté un gâteau à la figure d'Ignacio. J'aimerais savoir pourquoi tu l'as fait. Pour une phrase qu'il y avait sur le gâteau. Quelle phrase? Nacho aime Margarita. Tu ne crois pas que ça méritait un gâteau à la figure? Naturellement. Mais ce n'est pas cela qui m'inquiète. Alors qu'est-ce que c'est? Ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que toi et lui, vous vous étiez vus dans une discothèque. Et qu'il t'a embrassé. Est-ce que c'est vrai? Il t'a embrassé, Margarita? Est-ce que tu aimes Ignacio? Margarita! Il se passe quelque chose, Vicente. Oui. Oui, vous êtes malade. Vous ne devriez pas manger ça, monsieur Pedro. Tu es en train de me surveiller? Oui, oui. Tu es mon ange gardien ou quoi? Voyons, dites-moi une chose. Mais dites-moi une chose sincèrement. Que cherchez-vous? À mourir? Attends, Margarita! Pourquoi tu ne me réponds pas?
Parce que je suis fatiguée de répondre aux interrogatoires que vous me faites subir, toi et Ignacio. Mais moi, je vais être ton époux. Écoute, Francisco, ce n'est pas un jour pour parler. Tu comprends? Pardonne-moi. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des gens qui vous aiment beaucoup? Je ne veux pas mourir, Vicente. Mais tu vois, là, j'ai vraiment trop faim. Que veux-tu que je fasse? Que je ne mange pas? Non. Non, que vous mangez avec modération. Que vous ne mangez pas des choses qui vous font mal. Que vous vous soignez. Moi, je ne vous l'ai jamais dit, mais je vous aime. Vicente, je... Je vous aime beaucoup, Monsieur Pedro. Écoute, mon ami. C'est une chose d'aimer Rosita. Et moi, je ne suis pas d'accord avec parce que... Parce que tu es déjà bien adulte. Mais de là à aimer Monsieur Pedro... Sincèrement, ça ne me plaît pas, ça. Que mon ami change de basse-cour. Tu sais pourquoi il n'est pas venu, Frijolito? Non, mais moi, je suis venue. Et il ne t'a pas dit s'il allait venir ou pas? Non, mais moi, je suis venue. Mais Frijolito, c'est lui qui doit chanter. Mais je chante, moi aussi. Mais tu n'es pas Frijolito. Oh, j'abandonne. Margarita. Monsieur? Y a-t-il une bonne raison pour m'avoir jeté ce gâteau à la figure? Oui, une. Laquelle? J'ai eu ma vengeance, monsieur. Je l'ai eue. Mais de quelle vengeance tu me parles? De la mienne, monsieur. Monsieur joue à me rendre heureuse, et moi je l'ai presque été. Après, celle qui a joué, c'est moi. Et je ne l'ai pas mal fait du tout. Mais enfin, de quoi me parles-tu? Vraiment, vous avez pensé que j'allais me marier avec vous? Finalement, vous vous êtes montré plus naïf que je ne pensais. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi ce qui t'arrive. Rien. À moi, il ne m'arrive rien. Et vous? Je t'aime, voilà, c'est ça qui m'arrive. Désolée. Moi, non. Tu ne m'aimes pas? Non. Et maintenant, si vous permettez. Non, je ne te permets rien du tout. Dis-moi ce qui se passe. Le jeu est terminé. Voilà ce qui se passe. Patocho. Je me suis enfuie de chez moi. J'ai vraiment besoin que tu m'aides. Je t'en prie, tu dois m'aider. Tu veux que je chante? Non! Je veux chanter, je veux chanter, attends, je veux chanter! Attends, attends un peu. Maintenant, tu peux chanter. Luna, Frijolito! Frijolito! Margarita, pourquoi tu cries? J'ai entendu ce que t'as dit, Margarita. Son mépris. Ta douleur me fait mal. Je vais être ta femme. Et Dieu va nous rendre très heureux. Tu vas voir. Tu vas m'aimer autant que je t'aime. Et où on va en vacances, ma petite maman chérie? Je te raconte après, mon chéri. Maintenant, il faut nous dépêcher. Oui, mais grand-mère, elle ne va pas venir avec nous, maman? Elle va nous rejoindre après. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pardonne-moi, maman, mais je n'ai pas le temps de t'expliquer tout cela. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Margarita! Je m'en vais, maman. Où est-ce que tu vas? Je m'en vais. Désolé, Francisco. Je m'en vais avec mon fils.
Je ne peux pas me marier avec toi.